Hey les amis, c'est Ganguinou, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil 7, un jeu que j'attendais énormément et vous aussi parce que vous me l'avez pas mal demandé. Mais attention, ne partez pas si vous avez déjà vu 10 000 vidéos sur ce jeu, en même temps ça m'étonne pas parce qu'il était très très attendu et putain je parle beaucoup trop vite aujourd'hui. Donc plus sérieusement, vu que c'est un jeu qui était très attendu et qui a déjà eu beaucoup de vidéos dessus, je vous propose de pas faire un let's play classique comme j'aurais pu le faire, mais plutôt de faire une sorte de gros condensé, c'est-à-dire que je vais essayer de jouer au moins 3-4 heures pour arriver jusqu'à à peu près la moitié du jeu. Voilà, donc sur ce... J'espère que cette aventure flippante en ma compagnie va vous plaire, les amis, et on y va, let's go! Tu avais raison. Je t'ai menti. Je n'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que... Si tu as ceci... Reste à l'écart. Y a-t-il quelqu'un dans cette brousse? Quelle est cette maison? Et qui peut bien vivre ici surtout? Pas très accueillant à ce que je vois. Hein. Mais répondez, merde! Bon, la maison m'a l'air complètement abandonnée, donc je pense que le mieux c'est que je trouve un moyen d'entrer. Mais par où? Par où, pardi? Ouais, par là, il y a un chemin. Ok, on va y aller, let's go. Qu'est-ce qui m'a pris de m'aventurer ici? J'aurais peut-être pas dû venir. Ok, bon. Une chose est sûre, je suis pas tout seul ici. Oh, des corbacs. Comme dans tous les endroits flippants, hein. Wow! On va essayer d'être rationnel, d'accord? Ce n'est en aucun cas la preuve d'un dégénéré psychopathe malade mental qui vit ici. Non, 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 moi je dis que c'est une forme d'art, une forme d'expression, voilà. L'auteur a voulu ici exprimer tout son amour pour la nature et tout ce qu'elle lui évoque de plus sensoriel et de plus... Non, ok, d'accord, c'est un taré. Qu'est-ce que vous mangez, vous? Oh, merde. Et un sac à main. Le permis de conduire de Mia, il est recouvert d'une étrange substance noire. Ah, parce que Mia, c'est ma femme qui a disparu depuis maintenant plus de 3 ans, et là je suis sur ses traces. Et je viens de trouver son permis de conduire, ce qui est une putain de preuve qu'elle est passée par là, c'est pas rien quand même. Donc écoutez, on va essayer d'en apprendre plus. Oh là là, c'est quoi ce taudis, putain? Il y a encore des gens qui vivent ici. Bon allez, quand il faut y aller, faut y aller. On y va, allez, allez. Porte, je te demanderai de ne pas te refermer toute seule comme dans tous les trucs d'horreur que je connaisse, merci. Salope! J'avais dit quoi? Salut! Écoutez, je vous veux absolument aucun mal, hein, je suis juste à la recherche de ma copine, qui a disparu, d'accord? Eh oh! Bon écoutez, je vais essayer d'être un peu plus discret quand même, parce que... Il y a peut-être encore des gens qui vivent ici, on sait pas. Parce que je suis pas chez moi ici, donc un peu de respect quand même. Bon, cela dit, je vais pas non plus m'essuyer les pieds avant d'entrer, hein, vu la baraque que c'est. Faut pas déconner non plus. Quelqu'un dans ce trou tout noir? Pourquoi je demande toujours s'il y a quelqu'un? Comme s'ils allaient me répondre, bien sûr que non. Ah, mais... Peut-être que Mia est retenue là-dessous, je sais pas, moi, je... Bon, allez, vous savez quoi? Allez, je vais descendre. Je vais le faire, ouais. Ah, je porte mes couilles, ouais. Allez. Oh, oh, oh. Allez, on descend dans le trou tout noir. Ah, ta mère. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, oh, oh, mon dos. Oh, merde. Oh, je pourrais pas revenir. Non, 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 c'est pas cool, ça. Oh merde, je pourrais pas remonter, non. Ok, bon, pas de panique, pas de panique. Pour l'instant, je suis tout seul ici, y a pas de raison de s'inquiéter. C'est juste très flippant, mais y a rien. Oh. Ok, ah, j'ai glissé, c'est bon, c'est rien. Allez. Oh, c'est pas le genre de bain de minuit que je préfère. Hein. Elle est à moins 12 degrés. Elle est sûrement remplie d'excréments tous plus... toxiques les uns que les autres, mais c'est pas grave. On continue. Oh, y a rien dans l'eau. Non, y a certainement pas de pieuvre radioactive dans l'eau. Non, non, non. Allez, allez, allez. On n'a pas peur, on n'a pas peur. On passe là-dessous. Allez. Oh. Allez, voilà. Oh, ta mère, la pute. C'est un cadavre. C'est un putain de cadavre. Merde. Ok, là, c'est sûr, je suis dans la merde. Et c'est quoi, ça? Il y a plein de photos de gens. Ce serait... Tous les gens qui sont fait choper par cette famille de tarés. Putain, je me suis vraiment mis dans la gueule du loup, hein, c'est le cas de le dire. Allez. Allez, je m'en fous, j'ai pas peur. Faut que j'affronte mes peurs. Hé hey! Y'a quelqu'un à l'intérieur? Ce serait pas Mia? Je sais pas si elle est morte, mais en tout cas, je crois que c'est elle
Et si elle est pas morte, il faut que je me dépêche vite de la faire sortir de là. On va essayer de trouver une clé ou quelque chose dans le genre. Ah tiens, une pince, nickel, parfait. Ouais, un coup de boulon, tiens. Oh là, je vais regretter ce que je suis en train de faire. Allez, Mia, je te fais sortir. Mia, j'espère que tu es toujours toi-même, hein, Mia. Hein, est-ce que tu vas bien, tranquille? Tu ne devrais pas être là. Comment ça, je devrais pas être là? C'est toi qui m'as appelé. Non, non, je te le jure. Quelqu'un t'a vu? Est-ce qu'il t'a vu? Je sais pas, non. Il faut qu'on parte. Il y a une autre porte ici. J'en suis sûre. Elle est plus là. Elle est plus là, elle a disparu. Comment la porte peut avoir disparu? Écoute, reste ici, d'accord? Je vais jeter un œil. Là, qu'est-ce qu'on a? Oh, Mia! Oh, la voilà la porte! Au moins on a trouvé la porte! Mia, quoi, sérieux, non, reviens! On aurait pu faire des tas de trucs ici, on aurait pu s'ambiancer, on aurait pu danser le Mia! Bon, écoute, au pire, je t'aimais pas plus que ça, donc. Mia, chérie! Oh là 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 là! Oh non, il fait nuit, putain, je l'avais dit, je suis venu trop tard ici, il fait déjà nuit! Putain, pourquoi je suis pas venu de bon matin là? Bah non, évidemment. Dans la commode, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. T'es pas très commode. Oh oh. Entrée. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, bon Dieu? Ah bah ça toque plus maintenant, bizarrement. Mia? C'est toi qui fais ces bruits étranges comme ça là? Oh le supplice. Oh puis merde. Mia. Mia, ne me saute pas dessus! Non! Ah, bordel! Mia! Non! Mia! Qu'est-ce que tu fais? Oh! Oh putain! Ah, t'as poussé la fonte ou quoi? C'est quoi cette force surhumaine? Oh merde! Mia chérie! Non! Lâche le couteau! Non! Arrête! Lâche ce putain de couteau! Dégage! Lâche-moi! Dégage! Qu'est-ce qui te prend, espèce de taré? Aïe! Oh! Dégage! Lâche-moi! Putain! Qu'est-ce que tu fais, merde? Chérie, arrête, putain! Ah, s'il n'est pas pied de divorce, au moins, je sais pas, mais... Mais on peut trouver toujours une solution! Lâche ce fichu couteau! Oh, je suis bon pour un tétanos, moi! Je peux l'entendre! Je peux la sentir reprendre possession de mon corps! Va-t'en! Ouais, va-t'en, ouais! Tranquille! J'ai été vilaine. Je mérite ceci. Non, arrête! Qu'est-ce que tu fous? Non! Bon, au moins tu nous feras plus chier comme ça. Ça, c'est déjà un bon point. Mia chérie! Oh! Mais non, mais on commence pas, merde! Non, je suis pas prêt pour une danse! Non, pas encore! Non! Merde alors, mais putain! Oh là là, elle est complètement possédée, cette folle! Non, arrête! Mauvaise idée, mauvais délire! Vite, la hache! Chérie, c'est Gangui! Wow! Coup de hache! Dans ta gueule! Allez! Oh, mais elle est résistante, la connasse! Allez! Oh! Oh putain. Non, je... Pardon, je voulais pas. Direction le grenier. Haha, le grenier, on adore le grenier. C'est très rassurant un grenier, hein, n'est-il pas? Ouais, mais le grenier, je pourrais pas y accéder, là ça a pas marché, si. Non, ça fonctionne pas, bah non. Ça fonctionne pas parce qu'il faut que je remette le fusible. Donc il faut que je trouve le fusible, c'est ça le truc. Et donc du coup c'est parti, on part à la recherche du fusible. Allez, fusible. Ça c'est pas un fusible, c'est un journal. Plus de 20 personnes disparues en 2 ans. Ah, ils ont tous fini ici, hein. Et j'en ferai pas partie, je serai pas le 21ème. On va couper ce truc là. Allez. Ah, voilà. Je brise les chaînes. Et le fusible. Parfait, ça fait plaisir. Allez, on espère en... Oh, la pute. Mia, je te découpe, c'est un problème. Mia, je te goume. Non, t'es plus là comme par hasard. Elle est encore dans la maison. Oh, fais chier. Ah, putain de je suis vulgaire, de putain, j'ai peur. Allez, on met le fusible. Oh, y'a personne ici. Oh, y'a personne, j'ai pas peur, je vous baise. Allez, le fusible, comme ceci, superbe. Je me tire, non. Je... Oh, putain, je savais. Ça va aller. Salope. Ça va aller. Je savais, j'ai oublié de vérifier. Je sais que tu ne voulais pas me blesser, mais... Non, arrête, mais arrête. Bébé, putain. Mais j'y t'aime trop.
Non, arrête, chérie. Ah ! Mais putain ! Je suis pas un de ces cadres qu'on poste sur le mur comme ça. Ok ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah, la tronçonneuse ! Tu te crois dans la ville d'Ed ou quoi ? Lâche ça ! Non, arrête, déconne pas. Non ! Ma putain de main ! Non, tu vas me le payer, hein. Je te ferais bien un doigt d'honneur, là, si je pouvais. Si seulement. Maman ! Putain ! Maman ! Oh, bordel ! Elle m'a coupé ma main ! Non ! J'ai qu'un moignon ! J'ai un vieux moignon tout dégueu, j'ai plus de main ! Oh putain, je me tire de là. J'y ai laissé une main, mais j'y laisserai plus rien d'autre. Allez, ouvre-toi, fichu escalier. Je me tire. Allez. On s'arrache. Ah, oh, j'y crois pas, elle m'a coupé la main, quoi, sans pression. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, un flingue ! Yeah ! Ah, ça fait plaisir. Le prochain qui s'amène, je lui trouve la peau. Avec plaisir, ouais. Vous m'avez coupé une main, vous me couperez plus rien d'autre, ça je peux vous l'assurer. Allez, c'est ça, amenez-vous. Amenez-vous, bande de tarés. Vous croyez que vous me faites peur, hein ? Vous le croyez, ça ? Cette maison est en train de me rendre fou, hein ? Mais après tout, n'y a-t-il pas que la folie pour combattre la folie ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je me tire. Et je... Ah ! Je me tire pas. Oh. Allez, viens. Viens essayer. Oh, Mia. Oh. Mia, chérie. Arrête tes bêtises. On va danser le Mia tous les deux. Allez, recharge. Ah, oh, t'as plus qu'une main. Oui, c'est pas évident. Oh, merde. Casse-toi de mon chemin. Allez. Yeah. Oh, bon. Je pense pas que je l'aurai comme ça. Vite, cours. Remettre de premier soin. La porte. Ah. Espèce de malade. Oh, putain, mais... C'est qu'elle met la pression. Allez, vite. Ah non, je peux pas repasser par là. L'échelle est détruite. Mais par où alors? Par où je peux me tirer? Il doit y avoir une issue quelque part, c'est sûr qu'il y a une issue. Ah, arrête, putain! Oh là. Écoute. Voilà. Ta gueule! Tout le monde compte sur moi. Ouais, je. Oh, je l'ai eu? Il semblerait que je lui ai mis du plomb dans la tête. Bon, ok, je l'ai vaincu, temporairement évidemment, ça va de soi. Bienvenue dans la famille, fiston. Non ! Oh ! Oh, je suis où là ? Oh. Qu'est-ce qui... Allez, debout, jeune paresseux. C'est l'heure du dîner. Oh. Hâte de manger des trucs à la gueule. Vous êtes qui, vous? Oui, Mia. Mange, c'est bon. C'est pas plus rien, regarde, hein, vous choses. Non, mais arrête, merde. Maman, il me jette des trucs à la gueule. Wow. Ça devient lourd, vieux. Pousse-toi de là, Marguerite. Ce garçon doit manger. Il doit prendre son dîner. Allez, mon grand. Où j'allais? C'est quoi, ça? Non, je mettrai... Ah, c'est quoi, ça? Je mettrai pas ça dans ma bouche. Oh, merde, pas, Jack. Il mange pas. Ferme-la, Marguerite. Oh, c'est quoi cette famille? T'es qu'un petit enfoiré. Oh, j'arrive pas à croire que c'était son enfoiré. Oh, attendez. Oh. C'était censé être un festin très spécial. Ok, bon. C'est ce que j'appelle un repas de famille mouvementé. Parmi toutes les aventures que j'ai vécues avec vous jusqu'ici, celle-là est sûrement la plus intense. Mais on va le faire. On va se tirer d'ici. Je vous promets. Alors, de quoi s'alimente la famille Baker? Eh ben, ça ressemble à du... Franchement, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, hein, du... Voilà. Bon, pour l'instant, on n'entend plus trop les autres membres de la famille. Ils sont peut-être partis se coucher, qui sait? Le papa Baker et la maman... Baker. Monsieur Baker? C'est pas ce que vous croyez. Monsieur Baker,
Je suis sorti de table en fait parce que j'avais fini. Ce repas était. C'est nous qui étions avant la fin du repas. Non, non, c'est pas vrai, j'avais fini. J'avais fini, monsieur Baker. J'avais fini mon repas. J'avais fini toute mon assiette, délicieux. Le dessert, miam miam, hein, délice. Miam miam miam, je me suis régalé. Des tripes comme j'en ai jamais mangé, hein. Ah écoutez, écoutez, écoutez. Relax, relax. Regardez, je me rassis. N'essaie pas de espèce de taré. Attendez, monsieur. C'était un très bon repas, monsieur. J'ai vraiment adoré, hein. Mais là, je vais devoir vous laisser. Désolé de vous fausser compagnie comme ça, mais... Écoutez, vous mettez un peu la pression, là. Allez. Vite, cours, 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 cours. Putain, je cours à... Espèce de malade. Mais tu passes à travers les murs, normal. Tu perds ton temps. Oh là 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 là. La trappe que j'ai vue tout à l'heure, vite. La trappe. La trappe. Vite. Avec quoi je l'ouvre? Merde, elle est verrouillée. Elle est verrouillée. Oh, poupelle. Ah, putain, la trappe est verrouillée, bien sûr. Oh, je me tire, je me tire. Ok, là, c'est là où il vient. J'ai pas encore exploré ici. Vite. C'est fermé, c'est... Non, putain, merde. Qu'est-ce qu'on a, là? Qu'est-ce qu'on a? Ah, mais je m'en fous, c'est un vieux bibelot. Une clé! Une clé! La clé de la trappe! Oui! Oui! Oui, la chance! Ouvre-moi cette putain de trappe de merde! Vite! Ouvre-toi! 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 Je crois qu'il m'a perdu, ce con. Ah, faut vraiment être très con pour me perdre. Wow, ok. Ok, bon, il semblerait que j'ai accédé à des réseaux souterrains qui vont me permettre de me tirer d'ici. Du moins, je l'espère. Oh, je l'entends marcher. Au-dessus de moi. Pas cool, pas cool, pas cool. Ah, allez. C'est bon, je suis sorti de là, c'est cool. Un fluide chimique. On peut combiner les fluides et les herbes pour s'en faire un remède, c'est cool ça. Oh, stylé ma montre. Eh hey, mais, ils m'ont recousu une main. Ils m'ont recousu ma main, regardez ça. D'accord, j'ai même pas vu. Putain, bon. Bah, c'est gentil de leur part, merci. Ah non, mais finalement, c'est des gens super sympas, je veux dire, ils m'ont offert un toit où dormir alors qu'il pleut dehors, ils m'ont offert le couvert, voilà, ils m'ont donné à manger, ils m'ont recousu ma main, non, franchement, c'est... De quoi je me plains, c'est des gens ultra sympas, avec le cœur sur la main, vraiment. Ouvrez. C'est un flic. Vous vivez ici, monsieur? Est-ce que c'est votre maison? Non, 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 c'est pas ma maison. On a plusieurs cas de disparition. Oui, il y en a des vingtaines. Et rien ne prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Écoutez, je vous dirai ce que vous voulez, mais il faut me faire sortir d'ici. Retrouvez-moi dans le garage, on discutera là-bas. Ok, monsieur l'agent, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de vous voir, franchement. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Et vous alors, qu'est-ce que vous faites là? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous y croirez même pas si je vous le dis, de toute façon. Je vous écoute. Merde, la porte se referme. La porte se referme. Non, derrière vous. Derrière vous. Oh. C'est ce que j'appelle couper la poire en deux. Et c'était pas très gentil, hein. Ça non plus. Ça non plus, c'était pas très sympa. Oh, super coup franc. Écoutez, monsieur Baker. Je vais tous vous tuer. Non, non, non. Non, écoutez, monsieur. Arrêtez. Non. Pourquoi me faire du mal? Je vous veux aucun mal, moi. Approche pas. Je vais te planter. Je vais te planter s'il le faut. Je vais te planter. Pique. Oh, oh. Oh, mais un coup de boule! Mais c'est quoi ce taré? Oh, vite! Le flingue du flic! Le flingue du flic! Yeah! Goûte à mon Glock, sac à merde! Ok, à la rigueur, ça lui a filé un léger mot de tête, mais on n'ira pas plus loin! Non, non, non! Dans les bijoux de famille! Dégage, dégage! Dégage! Oh! Mais il me soulève carrément! Oh, vite, recharge! Oh, non, non, non! Oh, mon bras! Mais t'es pas humain, toi, mais. Tu fais partie de la famille maintenant. Oh, ça me ferait mal. Moi, faire partie de ta saloperie de famille de pecno perdu en pleine Louisiane, ça. Non. Non. Hé. Hey, non. Mais putain, mais t'es pas humain. Belle bagnole. Mais ça te dérange si je fais un tour avec? Faites ce que vous voulez du moment que vous me foncez pas dessus. Mais il va vraiment le faire en plus. Mais il va vraiment le faire. Ah, il attend ça en décapotable. Ah. Non. Arrête. Qu'est-ce que tu. Mieux de commencer. Mais il est fou. Mais il est fou. Oh. Mais il est complètement taré, ce mec. Oh, mais il fait des drifts. Il fait des drifts, ce malade. Oh. Mais t'es un malade. Mais t'es un grand malade. Oh. Mais c'est un malade. Mais c'est un taré. Mais il a pris la bagnole, il a arraché le dessus, il en a fait une décapotable, il m'a foncé dessus, mais... c'est quoi ce type? Vite, dans la voiture! Let's go, j'ai les clés ce coup-là, j'ai les clés! Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on perd pas de temps! On remet le contact... Allez, sayonara! Oh, c'est bon! J'ai réussi à prendre la voiture! J'ai réussi! Ah, je savais bien que je pouvais! Ah, c'est qui fait le malin maintenant, hein? C'est qui? Alors, les rôles s'inversent, papa! Les rôles s'inversent!
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait quoi d'être sous le capot, hein? Ça fait quoi? Merde, il est disparu. Où est-ce qu'il est? Il est plus là. Oh! Merde. Non, non, non. Il m'a... Il est sur la bagnole! Non! Qu'est-ce que tu fous? Lâche ce volant! Lâche ce volant! Lâche ce putain de volant! Oh là là là. Écoute, papa, c'est pas l'heure de m'apprendre à conduire, ok? J'ai déjà eu mon permis, hein, ok? Lâche ça! Lâche ça! Finissons-en. Non. Non. Non, non, non. 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 Allez, non. Je vais t'emmener faire un petit tour. Non, je suis pas trop pour. Non, 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 non. Non! Je suis pas mort. Je suis pas mort. Ouh! Et toi, t'es mort par contre. Non, tu peux pas être mort. Oh oh, ça crame. La bagnole prend feu. Oh, mais non, je savais bien qu'il était pas mort. Je savais bien qu'il était pas mort. Mais c'est quoi ce mec? C'est un malade. Oh la vache! Regarde-moi le bordel que t'as foutu. Oh putain! Ah! Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Un coup de boule enflammé, rien que ça! Oh! Merde! Oh là 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 là! Oh, vite! Oh, ce mec est un taré! C'est un taré! Voilà, y'a rien de plus à dire! Oh! Bon, je pense qu'il a eu assez d'émotions, alors il a décidé de faire une sieste. Putain! Waouh! Waouh! Sésame, ouvre-toi! Et bien voilà. Je suis maintenant dans le hall de la résidence Baker. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un chien à trois têtes, il y a une cavité pour chaque tête. D'accord, et ben si on réunit les trois têtes, on pourra peut-être sûrement sortir d'ici. Quelqu'un dans la salle de bain? Personne, c'est bon, je peux entrer? Ok. Oh, je vais me prendre un petit bain de boue, ça va me requinquer, tiens. Oh, ça fait monter une statuette en bois. Ça nous fait avancer, c'est cool. Oh, non, papa, non. Non, j'étais en train de prendre mon bain. Je suis un gentil garçon. Arrête, lâche-moi, papa, lâche-moi, lâche-moi. Non, non, pas dans le bain. Oh, arrête. Oh, une cassette de Mia, cool. Oh, laisse-moi trouver mes items tranquille, ok? Je te déteste un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Oh, c'est quoi ton chat? Oh! Ah, sérieux? Sérieux? Je sais pas pendant encore combien de temps il va me laisser tranquille, mais tout, une chose est sûre, c'est que c'est le cas en tout cas. Alors vite, Oh! La statue en bois, ça marche! Je peux la mettre sur le projecteur et ça me donne quelque chose. Faut que ça ressemble à l'oiseau. Ouais, voilà, on tient quelque chose, là, on tient quelque chose. Yes! Et ça ouvre un passage secret, oui! Allez, on s'aventure là-dedans. Qui a construit cette baraque, sérieux quoi? Allez, c'est un peu étroit, mais ça va le faire. Par là, qu'est-ce qu'on a? Non. Non, 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 c'est organique dans le coin. Ça doit être par là qu'ils ont fait des expériences. Oh, il y a de la matière noire organique bizarre partout. C'est très chelou. Oh là là, je vais regretter. Oh! Bon sang! Je savais que j'allais regretter de venir là, je savais que j'allais regretter de ouf. Je m'en vais. C'est quoi cette créature? Ah! T'es ignoble! Vite! Ah! Le fauteuil, il me bloque! Ah, vite! Ah, c'est quoi cette horreur? C'est quoi cette atrocité? Allez, go! Une porte ici! Dis-moi que tu t'ouvres! Oui, je t'aime! Je sais pas si la créature me poursuit encore, mais je vais pas attendre ici pour le savoir. Ces enfoirés sont à mes trousses. Mais peut-être que ça te donnera une chance de sauver ta peau. Il faut absolument que tu trouves les têtes de chiens sculptées qu'ils utilisent comme clé. J'en ai vu une dans la salle de dissection au sous-sol. Mets la main dessus, c'est le seul moyen de t'échapper. D'accord, c'est bon à savoir. Allez, on va au sous-sol. Le sous-sol. Le terrifiant sous-sol. J'espère que c'est pas trop labyrinthique non plus, par contre. Ce serait bien. Sa mère, la pute! Je le savais! Dégage! Oh, je vais faire comme Baker! Je vais te tirer dessus! Dégage! M'approche pas, putain! Je suis en train de gâcher tous mes murs. Merde! Allez, vite! Mais c'est bon. J'ai réussi à les semer. Là, elles sont derrière moi. Là, c'est cool. Y'en a plus. Oui, qu'il y en a plus. Vous me l'auriez dit s'il y aurait quelque chose. Hein? Bon.
Cette fichue tête de chien. Faut que je la trouve, c'est fermé. Ah ! Ta mère ! Ta mère, la tienne, la mienne, la nôtre, la vôtre. Ah ! Ça aussi, c'est... Non, c'est ouvert, ça peut s'ouvrir. Allez ! Allez ! Non ! Ah ! Vite ! Oh, je préférais le père de la famille ! La deuxième, allez, c'est cadeau ! Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette... Oh, et une autre ! Salut, enchanté ! Salut, c'est un plaisir ! C'est un plaisir de... Voilà, enchanté de vous connaître. Salut, moi c'est Ganguinou, je vous serre la main. Votre main visqueuse. Ah, sortez-moi de là. Je dois trouver la tête de chien, c'est tout ce que je veux. Vous m'entendez? Je veux une putain de tête de chien. Oh, peut-être ici. Oui. C'est quoi ça? Trévis. Laura. Ah, oh, t'es dégoûtant. Fuck you. On peut les tuer. On le peut. Ils sont pas immortels. On le peut. Tu te souviens comment ouvrir la porte, n'est-ce pas? Retiens juste ça. 3A et une empreinte de main. 3A et une empreinte de main. Ça correspond au nom et à l'empreinte de main ici. Ok, j'ai compris. Il faut les ouvrir méthodiquement, en fait. Celui-là, comment il s'appelle? Tamara. 3A. Il y a 3A dans Tamara. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. 3A et une empreinte de main. Donc, 3A et une empreinte de main. Yes. C'était ça. Mais pourquoi? Mais quelle erreur monumentale! Oh, allez, viens, viens, viens! Tu vas finir comme les autres! T'inquiète pas pour ça! Allez, une pince bizarre à la place de main! Allez, allez! Allez, il t'en faut encore combien? Encore une peut-être! Pour monsieur! Voilà! Oh. Eh ben, il était coriace le Trévis! Allez, ce qui nous fait maintenant un total de 3 saloperies visqueuses en moins et. D'une superbe clé pour la salle de dissection, voilà. Et donc normalement la tête de chien qu'on recherche devrait être dans la salle de dissection. Allez, y'en a plus. Là, là y'en a... Oh, mais bien sûr qu'il y en a encore plein, sale grouille de partout. Ah, deux, non. Oh, oh, pas sympa ça. Oh là 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 là. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Qu'est-ce qui m'a pris de venir ici? Allez, allez. Je sens que c'est possible, oui. Oui, oui, tu vas me taper avec quoi maintenant? T'as plus rien. Regardez-moi ça! On lui a coupé ses deux bras! Oh! Elle se déplace en sautant, la connasse! La salle de dissection, la salle de dissection, j'ai la clé maintenant! J'ai la clé, j'ai la clé! Oh! Vite! J'ai la clé! Ouvre! Merde! Oh! Bah oui, il faut d'abord que je les tue! C'est pas les autres que j'aurais dû tuer, c'est eux! Parce que c'est eux qui sont un pur obstacle. Je reviens. Je vais faire un truc et je reviens. Vous inquiétez même pas. Alors, je vous dis le fond de ma pensée. Je suis revenu ici pour deux choses. Déjà, premièrement, pour mettre la VHS que j'ai pas eu le temps de mettre tout à l'heure parce que j'étais poursuivi par l'autre gros con. Et deuxièmement, pour ouvrir cette porte pour récupérer le fusil qui va m'aider à terrasser les saloperies qui se trouvent au sous-sol. Voilà. Cache les têtes de chien pour que personne ne puisse sortir de la maison. On a qu'à les cacher là. Horloge de grand-père dans le séjour, livre dans la salle de jeu, salle de dissection au sous-sol. Voilà. On a les trois emplacements des têtes de chien. Oh. Et voilà sûrement le dentier de grand-père. Allez, on va mettre la cassette, on va quitter un peu cette réalité. On va s'évader quelque part, le temps d'un instant. Par ici, maman. Une VHS familiale. Allez, il est temps d'en finir avec eux, parce que rappelez-vous, ici, il y avait 3 saloperies visqueuses qui nous bloquaient le passage. Eh bien, écoutez... Il est temps de réduire ces vermines à néant. Oh, vous m'aviez manqué, franchement. Allez, il est l'heure. Faire vos adieux. T'en voulez aussi? Y'a pas de soucis, j'en ai ramené pour tout le monde. Ça va être une super fête, vous allez voir. Ça va être d'enfer. Oh, oh putain, j'en ai plein sur mes fringues. Une troisième pour madame, peut-être? Avec plaisir. Bon bref, on les a enfin tués, ça fait plaisir, et maintenant, on va enfin pouvoir accéder à la salle de dissection. Oh, depuis le temps que je rêvais d'y aller. Waouh. Genre le mec, il rêvait d'aller dans une salle de dissection quand même, faut le faire. Alors, on y est enfin. Je sais pas ce qui m'attend ici, mais j'espère que c'est la tête de chien. Ça aussi, c'est bizarre d'espérer ça. Bon. La tête de chien, la tête de chien, voilà. Oh, j'allais être son père. Putain, enculé. Mais maintenant, elle dit que c'est lui qui sera son père. Na. Mais non, mais c'est pas sérieux, quoi. Je la sentais du bout des doigts, la tête de chien, et il me l'a prise comme ça. Monsieur Baker. Tout ce que je veux, c'est la tête de chien. C'est tout. Je vous le promets. Allez. Pour le fun.
Voilà. Et Gorgino actuellement en finale de championnat du monde pour un pénalty décisif. La frappe. Et goal. Ah bon, on s'amuse comme on peut, hein. C'est quoi ça? Bah c'est la tête de chien, voilà. C'est la tête de chien. Par contre, ça pue grave le piège. Non, derrière moi, derrière moi. Ah, c'était sûr. Non, 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 arrête, arrête. Oui. Putain. Ah, alors voilà, lui, hein. Il me lâchera donc jamais. Putain, laisse-moi tranquille. Ah bah finalement, ça va servir. Tiens, écoute à ça. Du con, je peux faire ça toute la journée. Comment tu veux que je réfléchisse à ce qu'il faut faire comme ça dans un temps aussi restreint? Oh, puis merde, Mais comment je fais pour rater ça? Allez. Je suis presque aussi givré que toi, mon gars. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Oh oh. Oh 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 oh. Moi quand je vois un gros truc comme ça je tire dessus, hein. Je me pose pas de questions. Merde, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Oh oh. Ok, bah servons-nous. Allez. C'est l'heure d'un combat de taille. Tronçonneuse contre tronçonneuse. Eh bien c'est parti. Oh, qu'est-ce que tu fais? Allez allez, t'en veux encore? C'est quand tu veux mon pote. C'est quand tu veux. Ouch. Non. Goûte à ça. Allez. Et à ça. Et à ça. Oh, c'est dégueulasse. Oh. Merde. Allez. Il est temps de t'en brancher. Wouhou. Oh, merde. Vite, vite. De la vie, de la vie. C'est entre toi et moi que ça se joue. Et j'ai ma petite idée sur le vainqueur. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Allez. Oh, sacré revers, je dois bien te l'accorder. Je dois bien le reconnaître, t'es coriace mon petit Jack. Mais pas assez pour Ganginou. Oh, oh putain. Voilà. Allez. Oh, c'est dégueulasse. Je t'ai contré mon gars. Oh. Putain. Merde, mon moteur, vite. Redémarre, fichu tronçonneuse. C'est bon, allez OP. Oh, il me fait galérer de ouf, mais c'est pas grave. On va la voir. Oh, que oui, allez. Comme dans du beurre. Oh, mon dieu. Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que... Jack, oh, merde. Jack, voyons, c'était pas des manières. Jack, tu n'es plus qu'un bassin. Jack. Wouh. Et si quelqu'un veut de la sauce tartare, il y en a un peu ici. On va mettre la première tête de chien qu'on a récupérée. Voilà. Plus que deux. Ok, donc pour les deux autres, maintenant, il y en a une qui est dans la salle de séjour et une dans la salle de jeu. Voilà. Yes, deuxième tête de chien, super. Ok, 2 sur 3, c'est cool. Et donc maintenant, la dernière devrait se trouver dans cette pièce-là, dans un livre, apparemment. Mais il faut le trouver. Et je crois que c'est celui-là, oui, y a pas plus évident. Faut croire que non. Cherchez le livre dans la salle de jeu. Vous êtes sûr que c'est pas celui-là, hein? Ah si, tête de chien bleu, nickel. Cool, j'ai les trois. J'ai les trois. Alléluia. J'ai les trois. Je le crie haut et fort. J'ai les trois. Oui. Le moment qu'on attendait tous, les amis. L'ouverture. Vers la porte. De sortie. On va faire un tour dehors.